Yo les petits potes, c'est Stylemusal. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les potes, vous avez vu dans le titre, voilà, c'est Panini Foot qui est de retour. Les potes, j'avais fait donc mon retour de Panini Foot sur la dernière vidéo, voilà, je pense que c'est la dernière par rapport au post que j'ai, voilà, à la vidéo que j'ai postée. J'ai eu des bons retours, voilà, vous avez été très très contents. Il y a même des anciens qui sont venus qui ont dit putain, ça faisait longtemps que, voilà, je te suis depuis pas mal de temps sur YouTube, et notamment grâce à Panini Foot depuis l'époque 2016-2017, etc. Et aujourd'hui, les potes, on va revenir sur des ouvertures, voilà, on va ouvrir peut-être 5-6 paquets, je sais pas trop. Sauf que là, il y a une subtilité, les petits potes, pour que ça alimente un petit peu bah, la vidéo, voilà, pour pas que ça soit juste une ouverture basique. Voilà, la contrainte, c'est quoi? Alors déjà, je m'excuse, ou pas du tout, hein, aux Nantais. Voilà, c'est piocher la bonne carte, parce que si je pioche dans un paquet un Nantais, il va falloir que je poste une photo compromettante, voilà, de moi, évidemment, sinon il n'y a pas d'intérêt. Un truc qui me met un petit peu dans la mouise, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Il va falloir que je pioche pas de Nantais. Le dernier épisode, j'ai chopé, je crois, 2-3 Nantais. Si vous voulez un épisode, bon, on l'a pas encore fait celui-là, mais dites-moi si vous voulez que je fasse ce genre de concept avec une autre personne, voilà, ça sera encore mieux comme ça. Celui qui pioche le plus de cartes, voilà, après ça sera peut-être pas que des Nantais à chaque fois. Peut-être que voilà, celui qui chope, voilà, on dira un joueur, je sais pas trop, mais on pourra un petit peu changer les règles. Mais pour aujourd'hui, c'est si t'es un Nantais, c'est ciao. Donc c'est parti, on va tout de suite poser la caméra. Et puis voilà, avant cela, les petits potes, le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires qui font plaisir. Et puis voilà, on va aller au million d'abonnés, on n'est pas loin. Si on est loin, mais mais voilà, allez, let's go. Je vais éteindre ma lumière. Voilà, là on est plus dans l'ambiance, tu vois, il y a pas de... Voilà, hop, donc ma chaise, ça dégage. Je suis dans ma période où je fais mes vidéos debout, d'accord, les petits potes. C'est parti, on retrousse les manches. On va chercher les paquets. Les paquets sont là, on va mélanger un petit peu, tac, tac, tac. Et on va en prendre, je pense, 5. On va ouvrir le premier paquet, en espérant que j'ai pas de Nantais. Let's go, les Nantais, ils vont me détruire sur la vidéo s'il y a des Nantais. C'est parti, dédicace à Rémi GBA. C'est ça qu'il est pour Nantes, je crois. S'il passe par là, dédicace. Let's go. Attention. Let's go. Non. On va croire que c'est truqué. Le premier paquet, première carte, on tombe sur un Nantais, on tombe sur Ludovic Blas, je crois que c'est Ludovic Blas si je dis pas de conneries. Comme par hasard. Comme par hasard. Les gars, je vous assure, j'ai pas triché. J'ai pas triché du tout. C'est incroyable. On tombe sur un Nantais directement pour la première ouverture. Bah, les amis, déjà, bah, cette vidéo n'est pas un échec. Bon, pour moi, ça m'arrange, hein, mais c'est pas fait exprès. Donc, c'est parti. Un Nantais. Ensuite, on a les Toulousains. Les Toulousains qui est donc Anthony Rowe et Van Den Bomen. J'aime bien Van Den Bomen. Bah, pff, ok. Ensuite. Mais non, c'est trop. C'est trop. C'est trop, ça fait deux. Ça fait deux. Ça fait deux, Marcus Coco. Mais je vous assure, j'ai que des Nantais à chaque fois, je comprends pas. Et ensuite, on a les Nancéens. Et les Guingampais, les voisins. Voilà, les voisins, tout simplement. Alors, on a... Putain, mais comme par hasard, les amis. J'ouvre un paquet, j'ai deux Nantais. J'ai deux Nantais. Il y a un problème. Il y a un problème. Voilà, je comprends pas. Petite miniature. Tiens, petite miniature. Let's go, let's go, let's go. On ouvre le deuxième paquet. Ah, ça rajoute un petit peu de piment, quand même, que de faire des ouvertures. Oh là 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 là. Les potes, on tombe sur Messi. On tombe sur Messi, est-ce qu'on annule, du coup le gage ou quoi? Un Stéphanois, Jean-Philippe Crasso. On a un Lillois, Renildo. On a un Parisien, Sergio Ramos. Et on a Franck Honorat de Brest. Ah non, on n'a pas eu Nantais, putain, je croyais. Oh, j'ai peur, ok. Point. Eh, franchement, no joke, ce paquet, il est bien. Franck Honorat, Ramos, Renildo, Crasso, Messi. Voilà, qui dit mieux, let's go. Pour l'instant, deux Nantais, on est quand même dans la mouise, hein, je vous le cache pas. Mais bon, voilà, est-ce qu'on peut rattraper avec un petit Rennais? Même si je voilà ça annulera pas le gage, hein, dans tous les cas. Je joue ça n'importe comment. Let's go. Ok. Oh, Adil Rami, le champion du monde, le boss. Let's go. On a un Parisien avec Achraf Hakimi, le Marocain. On a également Alfred Gomis, représente le Stade Rennais enfin. Alfred, Steve Mounier, le Brestois, et Auriol Busquets de Clermont Foot. Ok, bon, on a eu un Rennais déjà. Même si j'ai eu les gages, les potes, je suis quand même content parce que malgré ça,
Voilà quoi, on a eu un René et ça, voilà, on va pas cracher dessus parce qu'on crache jamais. Jamais, vous m'entendez, jamais on crache sur un René, ok? On est parti pour le quatrième paquet, pote. Quatrième paquet, peut-être qu'on en ouvrira plus tard. Ça sera peut-être 5 contre 5 avec quelqu'un, voilà, dites-moi. Voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous voulez. Vas-y, au montage, un petit son. Oh, le montage, ça donne ça. Alors, on a eu Genesio, quoi. Putain, génial. Génial, génial. Bruno Genesio. Hugo Magnetti. Et pas Magnetti. Lui, il évolue pas en magnéton. Ok. Par rapport à Pokémon, si vous avez la ref. Let's go. C'est trop, mais les gars. Les gars, c'est trop. Je suis pour Rennes, moi, à la base. Je suis pour Rennes, à la base. Willian Cyprien, c'est pas possible. Ça fait 3, du coup. Hein. Under. Adil Aouchiche. Ah, j'adore Adil Aouchiche de Saint-Etienne. Pour info, je l'ai acheté dans mon club au Stade Rennais, sur FIFA, tout simplement. Ok, bon, pour l'instant, les gars, je pense qu'il y aura un tweet, une story Instagram et une photo Insta, je sais pas, mais ça va être n'importe quoi. Je sais pas du tout comment je vais faire ça, de toute façon, à l'heure où la vidéo est sortie, bah, je pense que vous pouvez retrouver ça sur tous les réseaux. Voilà, Instagram, Twitter, qui est en description, de toute façon. Allez. Ok, Reims. C'est qui, ça, dire? C'est la recrue, ok. Je sais même pas comment il s'appelle. Aoulou de Brest. De. J'ai vu que Brest, n'importe quoi. Strasbourg. Vincent Pajot, l'ancien Rennais qui fait plaisir. Il est toujours là. Hein. On a le Lensois, Fokunde Medina. Et on a Maxime Le Marchand, ancien Niçois, ancien aussi du Saint-Rennais, il me semble. De Strasbourg. Voilà. Pour ces derniers paquets, les petits potes. Donc, en soi, je sais pas encore ce que je vais faire comme photo, comme tweet. Je vais peut-être tweeter un truc genre Panini, je sais pas. Je vais faire un truc par rapport peut-être au foot ou par rapport au Panini, aux cartes, etc. Les potes, vous, si vous avez des idées de gages, bah dites-moi en commentaire. Je prends tout, voilà, on regardera un petit peu ce qu'on prend. Moi, je vais m'amuser, je pense, à les coller parce que je crois que j'ai aucun double. Hein. Il me semble que j'ai aucun double dans tout cela. Il me semble, hein, je suis pas sûr à 100%. Donc voilà, vous pouvez retrouver les photos, etc. Ou tout ce qui... Je sais pas vraiment ce que je vais encore faire. Moi, je vous dis, bah voilà, abonnez-vous, hein, parce que voilà, pour le soutien, quoi. Abonnez-vous, abonnement, commentaire, puis le petit pouce bleu qui fait plaisir, parce que c'est ça qui fait les référencements. Hein. Référencement qui fait qu'on monte un petit peu dans... Dans les référencements, quoi, ce qui fait que tu peux peut-être plus cliquer, tu peux plus me retrouver sur YouTube, quoi. Et moi, les petits potes, je vous dis à la prochaine. Je sais pas si on va revenir sur la prochaine vidéo, ça sera peut-être Panini, ça sera peut-être autre chose. Proposez-moi aussi des petites vidéos what the fuck sur YouTube à faire. Voilà, moi je suis ouvert, voilà. Et puis, les petits potes, je vous dis bonne soirée, bonne nuit, je sais pas quand vous regardez cette vidéo. Mais je vous dis, ciao ciao.